La République d'Haïti, située sur une petite île montagneuse des Caraïbes, est le seul pays de langue française aux Indes occidentales. Port-au-Prince, la ville principale, est aussi le siège du gouvernement. Dans cette contrée tropicale à population très dense, vivent plus de 3 millions d'habitants. Ce pays, sous bien des aspects, a été moins influencé par le monde extérieur que ses voisins des Caraïbes. Pendant de longs siècles, l'art folklorique haïtien s'est surtout manifesté dans la danse et la musique. La peinture et la sculpture ne furent que très récemment reconnues et appréciées à leur juste valeur. Ce n'est qu'à la fondation du Centre d'art de Port-au-Prince, en 1944, que les artistes purent disposer d'un local leur permettant de se faire connaître et de recevoir des encouragements. Le Centre d'art occupe une place prépondérante dans la vie culturelle du pays, en fournissant un foyer à ceux qui trouvent leur mode d'expression dans la peinture et la sculpture. La création de ce paradis est presque entièrement due à un Américain qui vint en Haïti pour enseigner l'anglais, DeWitt Peters. Artiste lui-même, il réalisa bientôt que rien n'était fait pour encourager l'art indigène. En outre, peu d'Haïtiens pouvaient se permettre d'acheter le matériel et la peinture indispensable. Peters, absolument déterminé à remédier à cet état de choses, y réussit en sollicitant l'aide du gouvernement haïtien et du département d'État américain. Sous leur patronage, le centre fut officiellement ouvert en 1944. Tous ceux qui désirent peindre ou sculpter y sont les bienvenus. Certains sont des artisans accomplis, aimant à travailler dans une atmosphère appropriée et calme. D'autres commencent seulement à apprendre le maniement de leurs outils. Beaucoup sont occupés à différentes tâches manuelles pendant la journée et viennent au centre pendant leurs heures de loisirs. Il y a aussi ceux qui espèrent faire de l'art leur carrière, et ceux pour lesquels il n'est qu'un passe-temps, un moyen d'exprimer leur individualité plus complètement que dans leurs travaux habituels. Le centre accorde à tous son aide et ses facilités. Il dispose de plusieurs instructeurs. L'un d'eux, Maurice Borneau, un enfant du pays, étudie à Paris et aux États-Unis. Il est revenu ici pour enseigner ce qu'il a appris à ses camarades artistes. Le centre aide l'artiste à soumettre son travail à l'attention du public. Et les galeries du centre donnent aux profanes la possibilité d'apprécier l'art de leurs compatriotes. Le primitivisme semble être le trait dominant de l'art haïtien actuel. Les thèmes bibliques apparaissent sans cesse dans les œuvres contemporaines. Sous la direction de M. Peters, le centre a beaucoup fait pour élargir l'intérêt et les vues des artistes locaux. Des hommes comme Aubin et Hector Hippolyte, les meilleurs peintres de l'île, y ont été encouragés et ont reçu une aide précieuse. Qu'une grande partie du travail de Peters se fasse au centre, sa tâche la plus importante est de rendre visite à tous ceux de l'île qui veulent peindre. Une grande partie de son temps se passe en déplacement. Au cours des dernières années, des centres annexes ont été établis à travers le pays et Peters est toujours à la recherche de talents nouveaux.
Le talent n'est pas difficile à trouver. Mais fournir à des peintres comme Ferdinand Pierre le matériel nécessaire est un bien plus grand problème. Pierre, ancien tailleur venu à la peinture, y travaille dans son village natal, loin de toute influence extérieure. De l'avis de Peters, des artistes comme Toussaint Auguste perdraient de leur simplicité et de leur spontanéité s'ils étudiaient au centre. Il leur apporte continuellement encouragement, conseils et matériel nouveau. Les peintres haïtiens puisent leur inspiration dans la campagne environnante. Castura Basile, un talent déjà établi, préfère les simples choses qui l'entourent à la vie factice de la ville. L'ouverture Poisson, lui, ne peut accorder tout son temps à la peinture car il est mécanicien d'aviation, mais il a découvert que l'art, plus que son travail, ouvrait un champ plus vaste à son imagination. Certains ont atteint le point où ils sont prêts à présenter leurs œuvres au public. Des artistes de toute l'île ont soumis leurs idées en espérant être chargés d'exécuter les fresques murales de la cathédrale de Port-au-Prince. Les organisateurs du centre fournissent de très longues journées de travail. Des instructeurs comme Eldazir Carter, artiste originaire de Chicago, enseignent non seulement au centre, mais aussi sur les collines des environs et dans les villages retirés de l'intérieur. Les promoteurs et les professeurs du centre sont persuadés que l'art constitue un rapprochement certain entre les peuples, puisque les belles choses sont universellement appréciées et que le langage de l'art est international. Le centre artistique d'Haïti joue un rôle important dans la création d'une compréhension meilleure et plus profonde entre les nations.